Il y a un certain nombre de nouveautés dans ce budget, évidemment, parce que la priorité pour nous, c'est l'investissement, des équipements utiles, des équipements qui concernent la vie quotidienne des Sartois, les collèges, bien sûr, les routes, un certain nombre d'équipements, les barrages. Alors les barrages, il y a un grand plan que nous lançons, parce qu'on voit bien l'intérêt de rénover, d'assurer la continuité écologique et de mettre en place des systèmes hydroélectriques. Donc ça, ça fait partie aussi des engagements qu'on a pris pour l'environnement, pour l'économie d'énergie et la production d'énergie. Il y a aussi un certain nombre d'actions qui sont dans le domaine des pistes cyclables, des voies vertes. On va apporter des nouveaux soutiens aux collectivités, communautés de communes et communes qui auront des programmes en sécurité et en équipement pour leur territoire. Ça fait vraiment partie des credos du département, s'adapter à la vie quotidienne et aux besoins des Sartois, pas faire de l'investissement parce qu'on veut faire de l'investissement, mais qu'il soit bien des investissements utiles.